Hello tout le monde, c'est Orphanas. Donc on se retrouve sur ce Dishonored. Donc je vous avais promis de vous montrer les deux fins, en tout cas qui étaient survenues lors de ma partie. Donc je l'ai pris un peu avant, comme ça je peux un peu expliquer, blablabla, et y aller sans trop bourriner. Donc c'est vraiment la fin du jeu, donc je vais me la fermer pour la cinématique, je vais regarder comme. Mais c'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, c'est d'écouter les dialogues. Donc la première fin, vous allez la voir, c'est quand... Enfin, c'est marqué dans le titre. C'est un spoil intersidéral, voilà. C'est quand elle meurt et qu'elle devient... qu'elle devient l'impératrice. Qu'elle devient pas impératrice. Vous allez voir. C'est assez épique. Kiku ! Voilà. Je vous laisse regarder. Aucune chance. À vrai qu'en vous. Vous avez déjà laissé passer l'occasion de devenir un héros. Et vous allez connaître un nouvel échec sanglant. Ouais, là, ça va. Vous vraiment... vouliez laver votre honneur ? Sauver la petite fille en détresse ? Oh non, comme vous. Ça ne vous ressemble pas. Donc là, en fait, elle va mourir, elle va sauter. Voilà. Donc là, elle saute, elle meurt. Faut bien le savoir. Donc là, sauver Emily, c'est un échec. Mais c'est généralement assez cinémascible, ce qui fait que c'est une. Techniquement une réussite. Donc là vous allez voir la cinématique de fin. Je ne sais pas toi, Corvo, mais j'ai pris du bon temps de mon côté. Intrigue et mystère, boucherie et trahison, l'agonie d'un empire. Et toi, dans le rôle de l'esprit vengeur, semant le chaos sur son passage. La ville se dévore elle-même à présent. Menteurs, marchands et nobles, tels des asticots sur une carcasse. Il ne restera bientôt rien pour les rats. C'est aussi bien. L'Empire était déjà mourant, pourri jusqu'à la moelle. Il ne manquait plus qu'un catalyseur pour le faire basculer. Mais voilà que tu prends la mer vers un nouvel horizon. La question est, cours-tu après quelque chose ou prends-tu la fuite ? Désolé. Voilà. Là, c'est la fin d'Dishonored en version. Donc ça, c'est vraiment la version atroce. Voilà. Donc ça, c'est la version atroce, pire atroce que du jeu. Donc c'est quand elle meurt que c'est le chaos, blablabla. Vous êtes vraiment le tueur en série. Blablabla. Enfin bref. Dans la prochaine vidéo, que je mettrai une annotation d'ailleurs. Maintenant. Annotation, si je l'oublie pas, je vais expliquer comment on fait, enfin comment on a une autre fin. Vous allez voir, c'est très 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 simple, mais il faut un minimum de technique, vous verrez bien. Allez, prochaine vidéo bientôt, ou maintenant, en fonction du gars que vous voulez. Prochaine vidéo bientôt, d'ici là, portez-vous bien et bye 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 bye.